Salut à tous les amis, on est de retour hein, pour la suite de notre aventure sur Forspoken. On s'était arrêté ici la fois dernière, après je crois la mort de Rubien. Et on va aller directement vers les archives, parce qu'on doit sûrement apprendre de nouvelles choses sur ce qui va nous attendre par la suite. Donc, let's go, retournons dans les archives. Il doit y avoir on va sûrement retrouver notre cher ami. Qui est à l'intérieur, hein, tout simplement, l'archiviste. C'est parti, let's go. Donnez-moi tous vos livres sur les Torana. Tu as toujours envie de partir, je vois. Oui, on ne veut pas de moi ici. Oden a été très clair. Ouais, ma chère mère a été très claire quand elle m'a... Quand elle t'a... Quand elle m'a banni d'Atia. Ouais. Votre bien-aimée Tanta, de l'amour et ma douce et tendre mère. Celle qui m'a balancée par un Torana à la première occasion. Pas étonnant. Quoi? Excusez-moi? Je suis en train de vous dire que je suis la fille d'une Tanta et vous me regardez comme si j'étais en train de faire la météo? Tu n'as clairement aucune estime pour tes origines. Mais moi je devrais en avoir. Je te ferai remarquer que je suis ici pour tenter d'empêcher à tout prix un cataclysme. Si tu n'es pas là pour m'aider, alors bon débarras. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les gens se soucient des autres uniquement quand ils veulent quelque chose, c'est ça? Être né d'une Tanta est un honneur, pas une charge. Si tu es incapable de comprendre ça, il y a plein de beaux ouvrages qui seront bien utiles à ton enseignement. Tu auras plein de temps pour les lire quand nous serons tous tués. Le plan de la culpabilité, ça marche pas. J'en ai marre d'aider un monde qui veut pas de moi. Alors, je l'avais bien dit. Si tu es venu me voir pour trouver le moyen de retourner chez toi, toutes les réponses ont disparu avec Robian. Il ne reste qu'une seule femme au monde qui pourrait peut-être avoir ce que tu veux. Tu dois aller poser toutes les questions à ta mère. Junoun est par là-bas. Mais que les Tanta te bénissent. Direction Junoun? Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Joedi avait raison. Sinta doit connaître les Torana. Je l'obligerai à me renvoyer à New York ou alors l'une de nous deux tuera l'autre. Quoi qu'il arrive, cette putain de saga sera finie. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Si nous allions d'abord rendre visite à Tanta Olas à Visoria, si nous mettons un terme à sa folie, son pouvoir nous rendra plus forts avant d'aller affronter ta mère. On n'est pas en démocratie. Ta voix compte pas. Ok. Bon, on va aller sortir du village. Et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, on a deux zones. Enfin, deux zones. Deux zones à découvrir. Tu ne me vaincras jamais, jeune impudente. Ah, je suis la vilaine Tanta Sinta. J'ai plus d'un tour dans mon sac. La tueuse de Tanta. La sauveuse d'Atia. La tueuse de Tanta. Vous avez vous trompé. Ah non, non. La sauveuse d'Atia. Tu sais que c'est mal de mentir aux enfants. Tu leur dois des excuses. Je les ajoute à ma liste. Elle a l'air déjà longue. Tu ne lui fais plus peur. Je m'en fous. On y va. On verra. Je sens la catastrophe arriver. Hein. Je sens la catastrophe arriver, mais bon. Allez, sortons du village. Let's go.
Je n'ai aucun moyen de te convaincre d'aller d'abord affronter Tanta Olas? J'ai dit non. Affronter ta mère sera difficile, Frey, bien plus que tu ne l'imagines. Tu devrais te préparer au mieux. Le pouvoir d'Olas... Olas, c'est leur problème, pas le mien. Pigé? Hein? Ah, on est de retour à New York, là. En plus, dans une belle baraque, et le petit chat est toujours là. Ok. Homer. Alors, je sais pas si c'est avant... Si tu savais que... ou après la merde qu'il y a eu. Je pense que c'est sûrement avant. Ok. Ah bah, ça change de la ville, hein. Enfin, du monde où on était. Je préfère être dans cette ville-là. Elle aime vraiment ça. Ok, bon, on va fouiller comme d'habitude, hein, la baraque. C'est pas la baraque qu'on avait au tout début, hein. Super, le nouveau sort. Ouais, où c'était vraiment une espèce de taudis ou de repère ou Là, c'est vraiment propre, une télé, les chaussures, les chambres, bien rangées, bien propres. Super kiff. Comme d'hab. Nickel. Passerai ma vie à vous regarder. J'arrête pas de me demander comment Alice pouvait être aussi sûre qu'elle avait rêvé. Et si c'était le pays des merveilles qui était réel? Putain, je suis pas allée au sport. Tant pis, j'irai demain. Hey! Salut! Waouh, on dirait que t'es sortie tard hier. Waouh, non, j'ai juste super mal dormi, j'ai fait un rêve, mais super bizarre. Hé, regarde où tu vas! Désolée, tu disais quoi? Non, t'inquiète, j'en sais rien, je pourrais même pas te l'expliquer, même si je le voulais. Mais ça va? Ouais. On déjeune ensemble? Je vais aller à Hell's Kitchen pour un entretien. Oh, cool, chez qui? Cipal, c'est une start-up. Ouais, c'est drôle, ça me dit quelque chose. Ouais, ils recherchent un graphiste, alors. Ils m'ont appelé ce matin. Alors, on déjeune? Ah, désolé, c'est pas possible. J'ai rendez-vous à la tienne dans une heure. Bon, bah... appelle-moi quand tu sors, d'accord? Ok, ça marche. Bonne chance. Merci. Je croise les doigts pour son entretien. Allez, c'est parti. La Odin, là, Odin. La Odin, c'est sa pote, en fait, dans la vraie vie. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Je pense qu'en fait, les personnages qu'on voit dans l'autre monde, c'est des personnes qu'elle connaît dans la vraie vie, je pense. Je pense que c'est en rapport avec ça. Salut, frère. Je suis pas sûr, mais... l'interrupteur l'autre fois. De rien. Je pense que c'est ça. Je t'apporterai du strudel quand tu rentreras. C'est la moindre des choses. Ah, merci. Je t'apporterai du strudel quand tu rentreras. Où vas-tu, petite? Je sors pour prendre un café. Très bien. Amuse-toi donc. Toi aussi. Un knish, s'il vous plaît. Gardez la monnaie. Merci. Oh! Ah bah ben, c'est l'archiviste, elle! Hier un bretzel, aujourd'hui un knish. Ah, c'est l'archiviste, c'est et elle, dans la vraie vie... C'est pas grand-chose. C'est sans-abri, quoi. Ok. En fait, tous les personnages qu'elle va voir, dans la vraie vie, là, maintenant, ce sont les personnages qu'elle voit dans l'autre monde.
Je sais pas. Ça doit être ça. C'est sûrement ça. Je suis sûr que c'est ça. Je sais pas si elle est dans un cauchemar ou dans un rêve ou... ou un truc comme ça, mais je pense que ça va être ce délire là en fait. Bon allez, on va avancer et on va voir si c'est vraiment ça ou pas. Je pourrais manger une glace là tout de suite. Qu'est-ce que vous mijotez? Hein? Oh, merde, c'est frais. Il serait peut-être temps d'arrêter les conneries. Vous croyez pas? On causera plus de problèmes. C'est promis. Fais chier. On se casse, Chrissy. Faites gaffe à vous. Fred, salut. Je suis super contente de te croiser. Hé hey. Dis-moi, t'accepterais quelques heures sup? Les gosses au foyer se sont attachés à toi. Waouh, d'accord, ouais, c'est des gentils gamins. Génial, c'est vraiment sympa. T'es un bon exemple pour eux. Bon, je dois y aller. Bellette et Jenesh ont fait des bêtises hier soir. Merde, rien de grave? Espérons qu'on m'en confie la garde. À ce moment-là, tu pourras leur parler. Tout à fait. Merci, Fred. Je t'envoie un mail avec tes horaires. Bien sûr. Ah, zut, je suis à la bourre. Faut que je me manie. Waouh! Je vais marcher au lieu de prendre le métro aujourd'hui. Pourvu que papa et maman soient à l'heure. Hein? Oh, il parle d'une gueule de bois. Mince! J'ai encore pas commandé le gâteau. J'ai des visions ou quoi? J'adore faire des cadeaux aux gens. Je sais pas trop quoi dire. Hey. Je suis désolée, je suis un peu en retard. Salut ma belle. Ah, c'est incroyable ce temps, hein? On s'assied en terrasse en plein hiver. Réchauffement climatique. Allons, c'est pas une détenta, là, celle-là qu'on a affrontée au début? Essayons d'apprécier ce moment. Bon, en tout cas, elle, c'est la mère. Ah, et aussi, c'est presque ton anniversaire, donc... Mm-hmm. J'espère que ça te plaira. Merci. Désolé, là, je parle un petit peu dans la cinématique, mais bon. Bonjour, bienvenue à la tienne. Je crains qu'ici, le café ne soit pas authentique et plein d'aromes artificiels. Vous avez vu, même les noms ouais. Tous les noms de villes, Sipal, Atia, machin, c'est des noms qu'elle connaît dans la vraie vie. Eh ben voilà, Robial, en tant que patron. Les apparences sont trompeuses. En fait, c'est la réalité, en fait. Mais comment est-il parvenu à se faire embaucher? Ils choisissent mal leur employé. Non, mais c'est ça, en fait. J'ai jamais donné mon nom. Attends. Il y a un truc. Ah oui, ça c'est ça, il y a un truc qui cloche. Ce. Toi. Oui. Toi. Oui. Tu m'as laissé. Oui, tu ça y est. Je n'avais pas le choix. C'est la fille d'une tanta en fait. Ce sacrifice. Sacrifice. Frey est la fille d'une tanta. J'ai dû me débrouiller toute seule, t'as pas aidé. Tout ce qu'elle voit dans l'autre monde, c'est ce qu'elle voit dans la vraie vie. J'ai pitié pour une mère qui se débarrasse de son enfant comme on se débarrasse d'un déchet. Bon, allez, j'arrête de parler. C'est moi ici la victime. Nous sommes tous des victimes. On nous a privés d'une vie, ensemble, où tu aurais appris à te préoccuper des autres. C'est dingue. Tu sais, j'ai appris un truc dans la vie. Moi d'abord, et les autres ensuite. Ça... c'est une illusion. Et il n'existe qu'une seule personne capable de créer une fausse réalité. J'ai pas raison, Olas? Ok. Arrêtez de m'enfumer et laissez-moi sortir. C'est impossible, tu le sais.
C'est votre création. Alors je le répète, arrêtez de m'enfumer et laissez-moi sortir de ce putain d'endroit. Jamais je n'accepterai la défaite vécue par mes sœurs. Frère, enfin! Mais bordel, où t'étais passé? Je t'expliquerai plus tard. Trouvons d'abord le moyen de sortir du cauchemar de cette folle. Elle est partie? Non, je perçois encore sa présence. Simplement, on ne la voit pas. Sois prudente. Je vais essayer. Mais on doit sortir de cet endroit merdique. Allez, on enchaîne les combats en plein dans les rues de New York maintenant. Ah, les lanternes. Ok. Ok. C'est quoi cette lampe? Donc, il faut les détruire avant qu'ils se. Avant qu'il y a d'autres ennemis qui arrivent. C'est ça en priorité, quoi. Allez, enchaîne. Voilà, c'est bon, on a bientôt fini. Les lanternes peuvent se régénérer, quoi. Et ramener beaucoup plus d'ennemis. Allez. Encore quelques coups. Voilà, nickel. Ok, vous avez compris. Ils ont disparu quand j'ai cassé la lampe. Cet objet amplifiait sans doute la puissance de l'illusion. Bon, ok, allez, on poursuit. Je pense qu'il y a plusieurs lanternes à détruire. Hein. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Ce monde est celui d'Olas. C'est elle qui fixe les règles. Continue d'avancer. Nous aviserons au fur et à mesure. Message reçu. Ça va faire mal. Génial. Allez, foutez-moi la paix à vous. Ok, deuxième lanterne faite. Ok, ça délivre encore un passage supplémentaire. Regarde, la directement. Est allez. Elle devait certainement être liée à la lampe. On monte en haut. Et... what the hell. C'est quoi ce délire? C'est pas par là? Oh, c'est beau. Il y a un truc pas net, je crois, là. Attends, c'est par où? Ah, c'est par là. J'ai même pas vu qu'il y avait une ruelle par là. Ok. Tac, tac. J'essayais de te parler, mais impossible de le faire directement. C'était donc toi qui m'envoyais ce message. Parfait. Et on poursuit. Ah, c'est juste là. Doucement. On ralentit. Et voilà. Allez. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Oh, merde. Encore une lanterne. Oula. Oh, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Comment on sort d'ici? Mais en même temps, ça va. Ça, c'est des petits, ça. Allez, on enchaîne. Je vais prendre en priorité la lanterne. Elle est mieux par là, là, que j'utilise la lanterne et en même temps, je détruis tout, là. Allez. Boum. Voilà. Une belle brochette. Voilà. Bim. J'adore. C'est, je crois que ça va être ma technique préférée, celle-là, avec les pieds. Allez, enchaîne. Aïe. Ah oh, allez. Boum. Ah ouais. Bim. Allez, on l'a tout détruite.
Boum. Voilà, nickel. Ok, lanterne faite. Ensuite. Ça va de l'autre côté, on retourne là-haut. Il y a encore une autre lanterne que je vois d'ici. Oh, commencez pas à m'attaquer, hein. Allez, on enchaîne. Priorité à la lanterne. Boum. Toi, je t'ai vu là-bas me jeter des sorts. Hein. Toi, je t'ai vu. Aïe. Je t'ai vu enfoiré là-bas. Hein. Laisse-moi m'occuper de ça d'abord, s'il te plaît, un petit peu. Bon, d'accord. Allez, tu me fais chier. Prépare-toi. Monte. Mon préféré. Allez, dégage. Allez, allez. Voilà. C'est très fluide, hein, quand même. C'est bon, il est parti. Parti de l'autre côté. Allez, enchaîne. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut détruire la connerie. Et on ira directement vers la lanterne suivante. Oh, il y en a un derrière encore. Il est où, le con? Il est où? Il est derrière moi. Je vais détruire ça d'abord. Voilà, c'est bon. Ok. Un passage des livres. Et tout droit, là-bas. Hop là, dessous. On y va. Ça change de, du monde d'Atia. Hein. Revenir dans les rues de New York comme ça, là, c'est pas mal. Allez, lanterne suivante. Alors, lanterne... Ok. Donc, il faut que je détruise d'abord les ennemis, cette fois-ci. Il faut que je détruise d'abord toutes les, tous les ennemis de la zone pour pouvoir débloquer la lanterne qui est qui est enfermée. Oui, oui. Alors, il faut d'abord se débarrasser d'eux. Ok. Ah, vaudrait mieux fuir. Donne une rouste à cette lampe. Quelque chose cloche. Vite, prêt, détruis la lanterne. Arrête de lui faire mal, Frey. On les vient? Non. C'est pas possible, t'es pas réel. Pourquoi tu m'as pas sauvé? Non, j'ai essayé, mais... Ressaisis-toi, Frey. Olivia est morte. Encore une barrière? On dirait l'œuvre de l'art. Ok. Encore des petites bébêtes. Et il faudra affronter les bébêtes. Tous les bébêtes, enfin, les affronter tous pour pouvoir débloquer la petite lanterne au milieu de la route. Et la lanterne, évidemment, ce sera en temps imparti. Il faudra la détruire avant qu'elle redevienne bloquée. Et qu'il y aura d'autres ennemis qui débarquent. Donc c'est ça le petit défi, entre guillemets. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester pas très loin de la lanterne. Comme ça, je pourrais la détruire plus rapidement. Allez, boum. J'adore cette épée, c'est un truc de fou. C'est fini ou pas? Ouais, casse-toi. Boum.
plus on le voit, hein, la protection elle est... Enfin les monstres sont tenus par la lanterne. Je sais pas si vous voyez. Vous verrez qu'ils sont attachés, ils sont liés. Putain mais il y en a combien? Non mais je sais, merci, je suis pas stupide, je le vois très bien. Mais il faut le détruire d'abord. Ils sont pas compliqués, mais ils sont chiants, ils sont loin à combattre. Hein. C'est bon ou pas? Oui, il y en a encore. Il y en a combien? Il y en a un seul encore. Il est où? Il est là. Putain, c'est pas fini. Hein. Tu veux pas crever, toi? Allez, vas-y. Maintenant, on enchaîne le... Le bordel, allez vas-y. Ah ouais. Allez. Vite, il faut bientôt revenir. Oui, je sais, c'est ce que j'essaie de faire plus rapidement, mais. Voilà, c'est bon. Ouf. Ok, ça c'est fait. T'as rien entendu? Allez, on continue vers le suivant. De la ruelle? J'ai déjà vécu ça, à une autre époque. C'est un souvenir du bon vieux temps à New York? Une impression de déjà vu, en quelque sorte. Sauf que cette fois, je peux me défendre. Lui a l'air plus fort que les autres. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué, là, hein, parce que là, c'est le gros lourd. Hein. Allez, d'accord. Chier. Oh, lui, il va être galère. Oh, il va être chiant, lui. Faudra bien esquiver. Aïe. Ah, il m'a bougé toute la vie, ce con. Aou. Aïe. Il va être loup. Pas très efficace. Il va être loup. Allez, boum! Mais c'est pas assez. Aïe. Ah. Ah, c'est pas assez puissant ça. Ça doit calmer. Ça va mieux. Fasse gaffe.
génial! Donne une rousse à cette lampe. Un peu de changement. Vite, ils vont bientôt revenir. Attention! Allez, détruis plus vite et merde. Ok, j'ai pas eu le temps. Maintenant, il faut rebattre ces cons. Ah là là là. Autant pis, ça va, c'est pas des... Ils sont un peu relous ceux-là, mais ça va, ils sont pas impossibles non plus. Retourne ta culpabilité contre toi. Ne la laisse pas entrer dans ta tête. T'imagines si j'avais eu la magie à l'époque? Tu es nostalgique? Pas vraiment. Je réfléchissais. C'est bon d'avoir du recul. Je vois. Tu veux pas rester avec moi? S'il te plaît, frère! Olas, vous mourrez pas avec vos conneries! Faites-moi sortir de là! Allez, vas-y, saute. Ce serait tellement mieux. N'est-ce pas ce que tu penses? Je ne le vois que trop clairement dans ton esprit. Tu ne trouves pas ta place dans ce monde. Ta vie n'a pas de sens. Et à qui manquerais-tu? Qui s'en soucie? Que tu vives ou meurs? Moi. Ils te laisseront tomber. Ça finit toujours comme ça. D'ailleurs, tu les as abandonnés? Toi aussi? Uden? Joedi? Les habitants de Sipal? Et Homer. Peut-être. Mieux vaut mourir ici. Maintenant. Personne n'aura jamais besoin de le savoir. N'écoute pas, Frey. Ça compte pour moi. Je suis avec toi. Non. Non. C'est encore... une de vos manipulations. N'est-ce pas, Olas? C'est quoi le problème? Vous avez la trouille de m'affronter? Merde. Bon, c'est le début des emmerdes maintenant. Olas essaie de là, on attaque le gros. Si tu meurs, tu resteras piégé ici. Le gros boss, oui, voilà, deux secondes. Génial. Dis-moi, si j'ai
jamais laissé encore. Oh là là, ça va être galère. Là, ça va être galère parce qu'en plus, il esquive bien, il est rapide. Succombe. Aïe, aïe, aïe. Arrête de bouger. C'est quoi cette lumière? Sûrement quelque chose d'hostile. Sois vigilant. Oh, je m'en fous, je fonce dedans. Allez, 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 allez. C'est une mauvaise idée, mais bon, il faut que. Faut que j'arrive à. On y va, Crash. À l'attaquer au max. Allez. Allez vite. Ah merde, j'ai raté le coup. Ouais, c'est ça, lâche-moi tranquille. Ah merde. J'ai envie d'attaquer au max. Même si je suis dans la bouche en train de perdre la vie, je m'en fous. Lâche-moi. Je veux juste que tu dors. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, bim. Voilà, cette fois-ci, on l'a eu. Laisse-moi apaiser ta souffrance. Non. Comment elle fait? Wow. Ne t'en approche pas, elle va essayer de pénétrer ton esprit. Ouais, mais bon, à un moment donné, il faut que je l'attaque, hein. J'ai un très mauvais pressentiment. Non, sans blague. Oh. Ça va. J'ai eu des dégâts, mais bon. Frey, tout va bien? Ouais, ça va, ça va, ça va. Si on veut. Tiens, mais arrête de bouger! Je compte pas partir comme ça. Eh merde. Aïe, aïe, aïe. Elle est en train de bousiller toute ma vie! C'est tentant, mais vous avez faux sur un truc. Je déteste le café. Oh, j'ai rien atteint. J'ai fait à peine un tiers de sa vie, quoi. Allez. Allez, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Super. En mode invisible. Je m'en serais bien passé. Ok, super. Tu n'y entendras jamais arriver. Heureusement pour l'avoir un petit peu bougé dans le tas, mais bon. Allez, attaque! Ouais, je suis coincé! Ah, j'étais coincé dans le truc! Ah, fais chier. Vous mourrez pas avec vos conneries! Allez, on va fuir ça quand même. Je le vois, tu es lince. Et tu portes un fardeau. Aïe, 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 aïe. Je sens que ce boss va être galère. Alors on va se concentrer, je vais pas trop parler parce que bon. Elle est trop rapide cette meuf. Laisse donc la corruption t'envahir. Pour que vous puissiez m'enfermer dans ce délire surréaliste, non merci. Et ensuite. Devant toi. Ouais. La vérité est à double tranchant. Arrange-toi pour ne jamais te retrouver acculé. Allez. L'ennemi est sans défense. Maintenant ou jamais. Calmez.
Derrière toi! Hein? Le sol tremble? Dis-je quelque chose. Allez! À gauche! Ah. Allez, 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 il ne reste plus rien pratiquement. T'es où? Et lui, il a sauté. Derrière toi! Derrière moi? Où? Ah, ça y est, je la vois, je la vois. Hop là! Allez, crève! Allez! Ouf! Mais fais dodo. T'es dead ou pas? Non. Mon fidèle acolyte. Ah, vous éprouvez des choses alors? Est-ce que t'es dead? Je pensais que sa mort nous délivrerait de l'illusion. Ah. Mais rien n'a changé. Bah, rien n'a changé, ça veut dire qu'elle est pas morte. T'es en train de dire qu'on est coincé là? Elle est pas morte, alors. C'est sûr qu'elle est pas dead. Laisse-moi te révéler une chose. Ah bah, c'est bien ce qui me semblait. Je ne vois rien d'autre que du désespoir qui t'attend. Et merde. Ce machin est censé être mort? Non! Non, elle est pas morte, finalement. J'entends plus rien non plus! Ah, parce que... Ah, c'est deuxième phase. Oh, putain. Crabbe, tu m'entends? Ah, bon, on est sourimé maintenant. Oh, bordel. Oh, c'est bon, j'entends à nouveau. Quand ce rêve s'effondrera... Tu seras en ce. Aïe 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 aïe, quelle galère. Puissant, sois vigilante. Ah oui, mais je sais qu'elle est depuis plus puissante, je suis pas fou. Aïe 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 aïe. Allez, mais tu vas manger, tu vas morfler un peu ou pas? Aïe. Je vois plus rien. Calme-toi, c'est forcément passager. Passager. Je suis en train de la frapper, mais je sais même pas si ça lui enlève de la vie ou pas. Ouais, ça lui enlève quand même un petit peu. Ouais. Non. Et c'est reparti. Je sais que je suis en train de perdre la vie en rentrant dans la bulle, mais... À un moment donné, il faut que je la frappe, hein, parce que sinon... Ça va aller? Ouais, ça va. Ouais, ça y est. Cela empire tant que tu restes à l'intérieur. Mais je sais, mais j'ai envie de la voir. Regardez, hein, tu vois. J'entre à l'intérieur, ça lui donne des dégâts quand même. Hein. On va essayer de choper un petit peu de vie là, parce qu'elle est en train de bouiller toutes mes vies. Bon, on va essayer de s'écarter de la vue la prochaine fois, si on peut. Allez, on enchaîne. Allez, enchaîne. Aïe, aïe, aïe. Allez. Prêt? Tu es avec moi? Oui, je suis avec toi. Je sais que je suis en train de perdre de la vie, mais je m'en fous. J'ai envie de la voir au maximum. J'abandonnerai pas. Oh, non, l'abandonne pas. Prêt, accroche-toi. Je sais. Ah putain, c'est galère, hein. C'est galère. Ah bah d'accord, et... Oh, voilà, bon, oh, putain, ça y est, dédouble maintenant. Oh putain. Tu as vu? Ah bah maintenant, il faut trouver le vrai, maintenant. Oh putain. Je peux pas. Aïe, la merde. Oh, la merde. Putain, je suis encore aveugle. Fie-toi à ce que tu entends. Tu me prends pour qui? Une chauve-souris? Surveille le sol. Il faut que tu esquives au bon moment. Ça devrait le faire. Merci d'être venu. Mais c'est terminé. Par ici la sortie. Mal. C'était juste.
génial! Encore le champ de force, prêt! J'ai remarqué. Je m'éloigne, c'est ça? Parfaitement. Tu as tant à apprendre. Plus près! Oh! Il va falloir qu'elle se renouvelle si elle veut nous avoir. Calme-toi, c'est forcément passager. Des clones ? De mieux en mieux. C'est mieux comme ça. Bonne nuit. Ha!
allez. Il reste pas grand chose pour l'atteindre. On a souffert, mais on y est proche de la fin. Allez. On va l'avoir, cette saleté de bestiole. Allez, viens là. Arrête de ramener tes clones de merde, là. Allez, viens là. Allez. Encore un coup. Il est où? Viens là. Élimine-en quelques-uns pour commencer. Non, je vais éliminer la principale. Oh. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Viens ici. Viens là, toi. Ah, merde. Arrête de rire. T'es bientôt fini. Il te reste même pas un centième de vie. Il est où? Un petit cadeau. Il est où? Elle est là. Allez, crève. Ah, arrête de bouger. Putain, je l'ai pas eu, c'est une blague. Crève. Voilà. Wouah, purée, qu'est-ce que c'est chaud. Eh ben, enfin. Oh. Tu n'as rien? Putain, c'était quoi tout ça? Tanta Olas a eu recours à ses dons pour entrer dans ta psyché. Elle a exploité tes désirs les plus secrets. Mais c'est fini. T'es bien sûr? Oui, tu es dans la réalité. Ok, et elle est où cette réalité exactement? Eh bien, à Visoria à première vue. Le royaume d'Olas. Et c'est son château? J'imagine, oui. Alors, que fait-on? On va se la faire. Hé, Krav. Cet endroit ressemble à rien, non? Le royaume tout entier est normalement sous l'emprise d'Olas. Pourquoi faire un effort de décoration quand elle peut lui donner l'apparence qu'elle veut? Ouais, je sais pas ce qu'elle va nous sortir cette fois, mais ça m'empêchera pas de la buter. C'est bizarre. Parfois, Tanta Olas semblait presque, je sais pas, sensée, lucide. Ça m'étonnerait. La corruption ronge l'esprit des Tanta depuis de nombreuses années. Mais tout ce truc à propos des sacrifices et des victimes, tu crois qu'il y a un peu de vrai dans tout ça? Elle est malade. Elle ne faisait que jouer avec tes émotions. Elle aurait dit n'importe quoi pour maintenir son emprise. Peut-être. Alors, il se passe quoi après? Après quoi? Si je tue toutes les Tanta, c'est quoi la suite? Tu mets un terme à leur règne. Tu gagnes. Ok, super. Mais il se passe quoi? Pour Atia, je veux dire. Pourquoi demandes-tu? Regarde autour de toi. C'est la merde ici. Ce sera pas... Pouf, tout va mieux. La brume ne disparaît pas quand les Tanta meurent. Elle arrête juste d'empirer.
Qu'y a-t-il? Tu es encore désorienté par cette illusion? Non, mais je réfléchissais. Et moi? Ben, t'avais raison. On a bien fait de faire ça avant d'aller voir Cynthia. Tu peux répéter? Quoi? Oh, juste le passage qui dit « tu avais raison ». Ça va. Au fait, t'as dit que j'avais été engloutie par la brume, c'est ça? Je m'inquiète, je me demande si les habitants de Cipal vont bien. Oui, je comprends, je m'inquiète aussi pour eux. Le meilleur moyen de les aider est d'arrêter Olas avant que la brume n'engloutisse toute la ville. Ok, c'est bon, j'ai pigé. On y va. Ça te sera bien utile.
Bon, les amis, on va s'arrêter à là. On va s'arrêter là pour cette partie de Force Pokémon. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Ouais, si on se retrouvera pour une prochaine vidéo de l'aventure. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.